Apparemment, c'est fermé. Ah, par contre, non, il y a une ouverture par derrière. Ok, un enflé un peu mieux le truc, c'est pas cool ça. Ah, ça doit être ce truc vert, putain. Ah, attends. Non, c'est quoi? C'est une arme. Oui, c'est énorme. Donc rien à voir. Ah, il y a une porte en dessous. Fermée, bien sûr, comme par hasard. Ah bien sûr, j'en étais sûr. Direction la deuxième, hein, forcément. Putain, t'es pas sérieux. Crever comme des bâtards. Crever. Oh oh. Oh putain, ils sont deux. Ah ouais, d'accord. Ah, bâtard, putain. Ouais, il était temps. Je l'ai. Sabine, j'ai la carte d'accès. Super.
Non, mais putain, mais... Oh, gros bâtard. Quoi? Putain, je l'ai pris hein, quand même le dégât. Hein. Ça met. Hein. Bon, bah, il est mort, très bien. Avec la carte d'Axa, il faut que je passe à quelques... Ah bah oui, d'accord, ok. C'est complètement con. Ils me font faire la tempête alors que je pourrais utiliser le grappin pour monter directement. Ça pourrait être une technique pour monter. Je sais pas si je peux. Merde, putain. Je suis dans le feu. Ok, non mais laisse tomber. Je fais de la merde. Ah merde, d'accord, putain. C'est bon, salut. What? Ah non mais... Pff, ok. Faut trouver le bon. Ça
salaud. Bah mais n'importe quoi. C'est abusé là. La distance à laquelle il touche, mais faut arrêter quoi. Ah, enfoiré. Mais oh putain, ils m'ont foutu dans le feu. Au nom de Dieu. Mais non, mais là c'est pas possible. Putain, mais... Oh. Il a défoncé son copain. En plus, ils sont deux, ces bâtards. Ok, bon, bah il y en a un. Ah oh, bah ils se sont tués, c'est très bien. Très très bien. Mais t'es bien sérieux, c'est quoi ça? Mais je mérite pas ça, bordel! Il m'est arrivé quoi? Ah oui, d'accord. Alors que vu qu'on a le grappin, on a pu largement monter plus facilement, mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu. Monter sur ça. Putain. Ah ben voyons, ben bien sûr, allez, putain, n'importe quoi. Putain, j'y crois pas ça. C'est complètement con. Vas-y, mais accroche-toi, gros bâtard, putain.
pigé. Non, mais ça, on avait compris déjà tout à l'heure. Hein. J'étais sûr qu'ils allaient se réveiller, ces bâtards là. Allez, mais c'est ça, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Logique, il s'arrête de flotter pile quand j'arrive en haut. What? Faut que je fasse quoi là? Je vais péter un câble. Non, je suis monté trop haut, bien sûr, comme par hasard. M'adresse à tous ceux qui écoutent. Je m'appelle Kyle Crane et j'envoie ce message depuis la zone de quarantaine d'Aran. Le colonel Tanner et le ministère de la Défense vous ont menti. Il reste des survivants à l'intérieur. Ils comptent bombarder Aran. Mais si ça se produit, vous saurez que Tanner et ceux du ministère sont des meurtriers. Qu'est-ce que vous voulez? On veut vous donner une chance de quitter cet endroit infernal. Ah ouais? Et pourquoi ça? J'ai pas trouvé qui avait votre précieux dossier. Vous avez même pas à me payer le reste de mon contrat. On oublie tout ça, Kyle. Il faut savoir tourner la page à présent. Il suffit que vous nous apportiez les notes du docteur Zéré et nous vous enverrons un bel hélico pour vous sortir de là. Vous savez que je sais ce qu'il y avait dans ce dossier. Vous vouliez exploiter ce virus. Mais oui, il vous faut un vaccin pour l'opinion publique. C'est votre seule voie de sortie. Essayez de convaincre tout le monde que vous cherchiez un vaccin depuis le début. Arrêtez de raconter n'importe quoi, Crane. Apportez-nous les notes et tout sera réglé. Vous voulez les notes? Alors attendez, mon signe. Savi, tu m'entends? L'ampli est installé. J'arrive.